Aujourd'hui, les garçons de l'équipe U16 de Repentigny et nos parents, on est rassemblés pour faire une surprise à Julie Garceau, notre coach. Dans le fond, il y a quelques semaines, on l'a nominée pour un concours de meilleur coach du Québec. Et aujourd'hui, on lui fait officiellement la surprise pour lui annoncer qu'elle a gagné. On t'invite à venir sur le terrain, on a une surprise pour toi. C'est OK. Dans mon visage, c'est écrit « Mais qu'est-ce qui se passe? » Julie, il y a quelques semaines, on t'a inscrit à un concours du meilleur coach du Québec. Ah, alors, on te félicite. Voilà, merci. C'est une pour toi. Merci, Julie. On peut se donner la main, merci, Julie. Dans le fond, on a eu une équipe où il y a deux coachs qui nous ont abandonnés. Puis pendant qu'on était dernier de la Ligue, Julie nous a ramenés aujourd'hui à être troisième et monter vers la première place pour cette saison-ci. Ben, Julie est comme une mère, certainement. Elle a encadré une famille qui est maintenant agrandie aujourd'hui. On est toujours content d'accueillir des nouvelles personnes dans l'équipe. Puis notre famille s'agrandit de plus en plus et on en est très fiers aujourd'hui. Je pense qu'il y a du fait qu'on fasse la bascule. Ah non! En plus, on ne peut pas oublier que tu ne coaches pas juste des enfants depuis des années. Tu coaches les enfants des autres, mais tu coaches aussi les coachs à devenir les meilleurs coachs à avoir leur licence B. C'est incroyable ce que tu fais, puis tu le mérites amplement. Julie, félicitations. Merci. De ma part et de la part du club. Merci. C'est mérité. C'est ça, on te fait faire un chandail. Non seulement Julie est une incroyable coach, mais elle embarque dans nos folies et dans nos projets. Elle a toujours été très aimable avec tout le monde et c'est pour ça qu'on l'aime. Mouah! Bien, merci tout le monde. Hein. On fait pas ça pour ça, mais je vais pleurer. C'est pas tout seul, j'ai fait ça, par contre. Là. Vous étiez là, puis eux, ils travaillent fort. Ben, merci. Pour tout, comme ça!